avec moi la serre. Salut à tous, c'est Studio Cyclisme et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que j'ai nommée les véhicules du Tour de France. Alors, cette vidéo sera un petit peu différente des autres car je ne vais pas vous parler précisément de cyclisme, mais je vais vous parler de la logistique qui est présente derrière et devant le peloton du Tour de France ou bien sûr d'une autre course professionnelle similaire. Allez, je ne vous en dis pas plus et place à la vidéo. Comme vous le savez, le premier Tour de France était en 1903 et à l'époque, il y avait déjà un véhicule sur le Tour de France pour encadrer les cyclistes. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas 1600 véhicules comme aujourd'hui. Et oui, le Tour de France est aujourd'hui composé de 1600 véhicules. Alors, si l'on récapitule, pour 198 coureurs, nous avons 1600 voitures. C'est bizarre ça. Est-ce une course de cyclisme ou une course de voitures? À quoi servent tous ces véhicules? Est-ce écologique? Pourrait-il y avoir moins de véhicules? Je vous y réponds tout de suite. Pour commencer, je vais vous présenter les différents types de véhicules dans une course de cyclisme et on est tout de suite parti avec la voiture du directeur sportif. Donc en football, le coach est assis sur un banc. Mais dans le cyclisme, ce dernier conduit une voiture placée derrière le peloton dans une file de véhicules représentant toutes les équipes. Comme vous le voyez ici en image. Alors là, vous vous dites qu'il y a énormément de voitures qui représentent les équipes. Il faut savoir qu'au Tour de France, il y a 22 équipes et que chaque équipe possède deux voitures. Une voiture pour le directeur sportif et une autre pour le directeur adjoint. Ce qui fait qu'il y a un total de 44 voitures pour représenter toutes les équipes. Alors le directeur sportif possède un émetteur-récepteur avec lequel il va pouvoir transmettre des consignes à ses coureurs qui sont munis d'une oreillette. Si l'un de ses coureurs part en échappée, il peut le rejoindre seulement après avoir reçu l'autorisation de dépasser le peloton. Mais d'ailleurs, au juste, c'est quoi un directeur sportif? Eh bien, c'est tout simplement le responsable technique de l'équipe. Alors c'est lui qui va faire la sélection de ses coureurs en fonction du type de profil de la course. Le directeur sportif tient un briefing dans lequel il définit la stratégie à mettre en œuvre. Ici à l'écran, vous avez une image de Steve Morabito, directeur sportif de la formation FDJ. Pour le second véhicule, on est parti avec les motos de télévision qui sont présentes dans les grandes courses comme le Tour de France. Elles sont situées derrière le groupe de coureurs échappés et devant et derrière le peloton et éventuellement après les voitures des directeurs sportifs pour filmer des coureurs ayant été distancés. Le couple pilote-caméraman est très entraîné pour s'approcher des coureurs sans les distraire et sans menacer la régularité de la compétition. Restez dans le domaine de la moto, on est parti avec les motos de gendarmes qui sont là pour assurer la sécurité tout au long de la course. Ensuite, une des motos les plus connues, la moto ardoise, elle va tout simplement indiquer grâce à une ardoise à un coureur échappé l'écart en temps qu'il a avec le maillot jaune. Ensuite, les motos de ravitaillement, c'est quand un coureur part en échappé et que la voiture de son équipe n'a pas pu le suivre. Il va devoir aller demander un bidon à cette moto. Mais par contre, si la voiture de son équipe a pu le suivre, il va devoir aller demander le bidon à sa voiture et non pas à la moto. Pour continuer, on est parti avec la voiture médicale. Le médecin de la course prend place à bord d'un véhicule généralement décapotable afin d'apporter les premiers soins à un coureur malade ou bien blessé après une chute ou parfois même l'été victime d'une piqûre d'insectes. La voiture du directeur de la course, donc au Tour de France, c'est bien sûr Christian Prudhomme. La voiture est placée à l'avant de la course, généralement derrière un groupe d'échappés. Le directeur de la course est le responsable de l'organisation. Allez, on est tout de suite parti avec les véhicules des commissaires. Les commissaires de course sont en fait les arbitres du cyclisme. Ils sont soit à bord de voiture ou soit à bord de moto.
Ces derniers sont placés à différents échelons de la course afin de vérifier sa régularité. Les commissaires sanctionnent les coureurs qui ont bénéficié de poussettes de la part de leur directeur sportif ou même de la part du public. Ensuite, par exemple dans le cas d'un sprint tendu, le juge à l'arrivée visionne les images et rend sa décision. Soit il va confirmer un résultat, ou soit il va déclasser un sprinteur qui n'aurait pas gardé sa ligne. Et oui, même dans le cyclisme, il y a des règles à respecter. Et pour l'avant-dernier véhicule, on est parti avec les hélicoptères autour de France. Il y en a 3, 2 hélicoptères caméraman et 1 hélicoptère relais. Il faut savoir que si cet hélicoptère relais n'existait pas, eh bien les images du Tour de France n'arriveraient pas jusqu'à votre télévision. Pour vous expliquer ça plus en détail, voici un petit schéma. Alors déjà, ne vous préoccupez pas de l'avion tout en haut car je ne vais pas vous en parler. Tout en bas du schéma, vous avez les motos de télévision. Juste au-dessus, en bleu, vous avez les hélicoptères caméra. Et encore au-dessus, en orange, vous avez les hélicoptères relais. Alors les motos de télévision et les hélicoptères caméra vont prendre des images magnifiques. Ces dernières vont être envoyées grâce à des antennes à un hélicoptère relais. Une fois les images reçues, grâce à des antennes encore plus puissantes, l'hélicoptère relais va envoyer ces images à un point intermédiaire. Une fois les images reçues au point intermédiaire, grâce à un satellite, les images vont être envoyées à la régie finale de la ligne d'arrivée. Le réalisateur aura donc à sa disposition plusieurs prises de vue et choisira l'image la plus appropriée pour la porter instantanément à l'écran. Et enfin, la voiture balai. Donc quand un coureur voit la voiture balai, eh bien c'est un mauvais signe pour lui. Cela signifie qu'il va devoir abandonner. La voiture balai est aujourd'hui un minibus et indique aux spectateurs que c'est la fin de la course et ramasse aussi les coureurs qui ont abandonné. Donc si l'on récapitule bien, les 4500 personnes qui sont à bord de 1600 véhicules sont des journalistes, des gens de la radio, des personnes de la télé, donc des mécaniciens, des caméramans, les mécaniciens des équipes, les directeurs sportifs. Il y a aussi des policiers et même des spectateurs qui sont à bord de voitures, donc souvent ce sont des personnes invitées. Et puis enfin, toute l'équipe médicale et les photographes. Et tout cela, est-ce écologique? Eh bien non. Il faut d'abord bien sûr compter l'impact écologique des centaines de voitures, mais il faut aussi parler des caravanes du Tour qui amassent 20 tonnes de déchets par étape tout au long de l'étape. Sacs plastiques, bouteilles, sachets, papier. Durant la grande boucle, la caravane publicitaire va jeter au total 13 millions de cadeaux, la plupart du temps en plastique, fabriqués en Chine, et sous emballage plastique, arrachés et jetés sur place. Pourrait-il y avoir moins de voitures? Eh bien, oui. Mais non en fait. Il faut savoir que le Tour de France a déjà fait des efforts, ils ont déjà réduit le nombre de véhicules. Le Tour de France, c'est quand même le troisième événement sportif mondial. Et pour cela, il faut quand même une sacrée organisation. Bon, le Tour de France a encore des progrès à faire sur ce niveau-là. Mais il y a peut-être des solutions. L'arrivée des voitures électriques pourrait peut-être remplacer les véhicules à diesel. Regardez par exemple la caravane Fruit Shoot et la première voiture électrique du Tour de France en 2015. Et puis enfin, pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler d'un sujet un petit peu triste. C'est très rare, mais parfois, il y a des accidents entre les vélos et les voitures autour de France. Allez, en voici quelques images. C'est donc la fin de cette vidéo, c'était un plaisir de la commenter. J'aurais pu encore vous passer une demi-heure à vous présenter d'autres véhicules, mais j'ai essayé d'adapter cette vidéo au mieux pour vous.
N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde !